Non, non, là c'est moi là. Attends, il est où Minos? Oh, pas que le démon il t'a eu Minos. Non. Star. Il l'a eu. Il l'a eu. Oh non, non, Minos, on t'aime. Amis de mes amis, ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franprix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, bah l'écoute ta vie. Les frères, on la dalle en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des édicts, sacoche élevée. Fais pas la malin, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7, mais les litres en l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des raspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend de la pregunta, elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Cognot, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as 4 levées. Qu'est-ce, je veux une grosse caisse. Frotte, frotte de bas de caisse. Frotte, frotte de bas de caisse. Hestes, avaler Hestes. Salut, salut! Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi! À tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? Starfullah, Starfullah, il s'est craché lui. Starfullah, il s'est éclaté. Oh mon dieu. Oh mon dieu, Mskin. Oh ouais, le pauvre. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu en direct. Ouais, moi aussi, je l'ai vu en direct. Ouais, il s'est éclaté. Sa mère, il s'est niqué. Oula, 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 il s'est passé quoi, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? On est dans un piège. Alvaro, vas-y, tire, tire, c'est un homme, tire! Tu vas dire quoi? Fais gaffe, j'ai pas oublié ton coup d'hier, on va vous sauver comme le totem de Koh Lanta. Ça va être efficace. Ah ouais, balance quoi. Viens, on va dans le parking hall. J'ai pas d'armes. En plein air! Ouais, sauf que là, y'a les flics qui te ramènent, tu vois, donc on va pas faire ça en plein air. Y'a les flics qui arrivent. Ah ouais, ouais, y'a quand même, y'a du monde, hein! Oui! Direct les problèmes. Oh non! Dispersion. Oh non, merde! Naruto, dispersion. Oh non, merde! Oh non, 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 doucement, 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 Roya, doucement! Oh, faut que je me barre, mon Roya! Oh, faut que je me barre! Oui, faut se masquer, les Romanois. Wow. Ils sont blindés. Ils étaient blindés. Là, les polices, ils auraient pu prendre 50 Folto. Hein. Non, non. Tant que le conducteur ne descend pas, ne descend pas, pour favor. Ah, j'arrive. Fait pour qui t'es parti? Les flics, ils arrivent. Les flics, ils arrivent, les gars. J'ai envoyé la pause. Ben voilà, moi, j'ai pas compris. Il y a de. Attends, descend pas. Je suis choqué, mon histoire. Mais ils ont eu de la chance. Comment vous avez pas besoin de bandage, c'est bon? Non, bah non. Ils vont me baiser. On se rejoint où? Ouah, à quel moment je vais descendre, moi? Ils ont débarqué de je ne sais où. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Et quand on fait une super lift, y'a personne. C'est un truc de ouf. On était plus que. Putain, dommage. Et c'est pour ça qu'il y avait du potentiel. Il fait le tour, mais faut pas descendre tout de suite tant qu'on n'est pas perdu, tu vois. Non, non, moi j'avais pas compris, tu vois. Parce que le. Ah, si je chute, ils m'entendent, du coup. Ça va braquer. Ouais, mais t'inquiète pas, moi je savais. J'ai envie d'appeler Tobias en fait. Mais ils vont s'arrêter. Non, il y a la cordia. Justement là. Ils vont discuter, apparemment. Je pense qu'ils vont discuter de. Ah, ils vont Bénise, C'est bon, d'abord, je suis sauvé, ils vont Bénise. Je pourrais sortir de la voiture. PGL. Le drive-by. Ah. C'est bon, là je vais descendre. Inch'Allah, je pourrais descendre. Oh non, il y a du monde. Oh non. Ah si, c'est bon. Non. Mais... Oh merde, mais non, je pourrais pas là. Allez, Hermano, plus vite. Il y a une urgence, je me dis todos maintenant, Bénis, urgence. Est-ce que vous mettez vraiment tout ce temps à venir? De fait, je crois qu'il y a tout le monde, là, presque. Tu le déposes, il se démerde et tu viens direct. Oh, fais attention quand tu roules, toi. Mon gros crâne. Oh, désolé. Je veux dire à Tobias de faire la version. T'es devant mur. On sait pas vous battre comme la DR quoi. Non, non, allez vous battre derrière, battez-vous derrière là-bas, juste derrière. C'est moi qui vous encule sinon. Fais diversion avec les maras, je suis dans le coffre. On va bientôt arriver là, je vais à l'hôtel de ville et on va passer dans votre quartier. Calma, calma, Tobias. Non mais on va arriver dans votre quartier bientôt. Attends. Faut que Tobias il arrive pour faire.
Perdu. Ah, c'est bon. Oh, les poutres de Vagos là. Après, tranquille, tu vois. Ils sont là en train de faire des gangsters avec nous. Mais quand il faut agir, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. C'est bon. T'es sorti du coffre, toi? Seigneur? Non, pas du tout. C'est du coffre là? J'ai rien. T'es sûr? Bah ouais. De qui? C'est pas sorti du coffre. Non, c'est Tobias qui m'a déposé. Ok. Ils avaient le dos tourné, ils veulent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il est sorti de notre coffre à nous. N'importe quoi, mais qu'est-ce que je vais faire dans un coffre? Anas. Oui, Alvaro. Mets-toi contre les murs. Non, mais Alvaro, j'ai rien fait! J'ai rien fait! Contre les murs. Contre les murs, je veux dire. Putain. Qui te mettait dans mon coffre? Mais j'étais pas dans un coffre, Alvaro! Attends, les Romano, il était dans un coffre. Mais regarde mes nouveaux habits! Regarde mes nouveaux habits! Si. Mais attends, mais c'est impossible, Roya! C'est impossible! Ça veut dire quoi, Roya? Tu comprends, c'est. Ah, frère, ça veut dire frère. Bref, c'est pas ton frère. Tu faisais quoi dans le coffre? Rien. Eh, tu bouges pas, toi. Toi, tu bouges pas, tu me. Rendez-moi Ness. Non, c'est bon. C'est bon, tout se passe bien, Non, c'est bon. Oh, sortez pas les armes ici, Obini. Sortez pas les armes. Bah, vas-y, vas-y. Eh, Ness, tu m'as dit. Non, mais. C'est ton arme. Non, je vais bien. C'est qui le cheval là? Regarde, Roya. Qu'est-ce que tu lui as dit de dire? Alvaro. J'étais bien dans le coffre, mais Roya, tes mecs, c'est abusé, Roya. Dos tournés, ils sont. Ah, ils sont forts. Franchement, ils sont forts, hein. Ouais, tu sais, ça s'appelle la 360. Mais Ness, je t'espère, ils ont poussé beaucoup. Ils ont grave poussé. Vas-y, Alvaro, pourquoi t'as pas tiré sur les balas, Roya? Parce que tu sais, dans la vie, tu tires pas tout le temps. Sinon, il veut te donner tout simplement une bonne réponse. Sinon, il t'aurait tiré dessus depuis très très longtemps. Depuis la première fois où il était vu. Quand tu m'as manqué de respect, tu parlais de la Madrid. Ah non, mais c'est fini, mais pourquoi tu remets sur le divan, sur le canapé, ce qui s'est passé hier? Je t'ai juste montré un exemple, c'est tout. Ah, ok. Et c'était quoi tes questions, Alvaro, toi? Alvaro, d'ailleurs, faut qu'on parle business. Juste, patiente, je m'occupe de la licorne que tu as comme hermano, d'accord? La Zeval. Oh, toi, rappelle-moi ton nom. Hamidé, toi. Si, je voulais te contacter. Ramène-moi des puces Darkseid, il m'en faut une quinzaine. Quinzaine? Je pense au Barrio. Cette nuit, c'est bon? Si, il m'en faut tout à l'heure. Ouais, pas de problème. Alvaro, si jamais t'as des billets numérotés ou quoi que t'arrives pas à écouler, tu me contactes, hein. On va parler dans pas longtemps, juste laisse-moi m'occuper de ton... celui-là qui a une seule oreille là. Ah, il veut vraiment te baiser. Vas-y, Tobias, va. Viens, Tobias, viens. Contre l'émir, Masset. Bon courage, Roya. Fais la shahada. Ah, ça doit là. Il est perché, lui. On te repose la question, t'étais dans le coffre ou pas? Non. Sûr? Ouais, sûr. Certain. Roya, tu comprends le français ou... C'est bon, tranquille. Pantera, tu peux aller vérifier les côtés, par favor? Juste un petit coup d'œil. Ya, dansez les hermanos, dansez avant que je vous dise. Dansez les hermanos, dansez. On danse pour quelle occasion? C'est quelle occasion? Dimenes, occasion. Ouais. Heureux. Tu voulais la mettre enlevée ou il rêve là? De quoi? Il vient de m'expliquer que tu voulais nous braquer, que tu voulais qu'il fasse diversion. Non, c'est faux. Tais-toi. Diversion ne veut pas dire braquer, c'est faux. J'ai pas dit braquer. Pas du ça, non, pas du tout. Oh, ça se tape derrière. Oh, ça se tape. 2 minutes, j'arrive. Faut qu'il esquive. Ding. Voilà. Bien joué. C'était quoi l'embrouille? Ça date. Ah, ça date. Vas-y, attends. Oh merde, non, c'est pas toi que je voulais frapper. Non, c'est pas toi. Oh, Roya, t'as fait un Superman punch, hein. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. Il s'est passé quoi? Oh, une petite histoire. Oh ouais, c'est bien. Ça serait comme des bonhommes, c'est bien. Ouais, faut. Vas-y, ça marche. Bon courage. C'est tout à l'heure que tu m'avais dit. Tobias, on s'arrache, viens, on s'arrache. Tout à l'heure. Non, vite, il va me taper, vite. Bah oui. Ah, c'était Hazard. Ah, non, comment ça va? Ah, c'est le perso d'Hazard, je crois. Elle est où la voiture? Elle est là. Ça, c'est une voiture, ça? Ouais. Ah ouais. C'est bon, quoi, Ness? Et toi? Ça va. C'est ta nouvelle voiture? Alhamdulillah, oui. Vas-y, parking central, croyant. On n'est jamais mieux à l'abri. Ouh, en plus il bleu. Oh, le timing! Incroyable! Incroyable! Alors, le programme, Ness, dis-nous, le menu, la carte. Alors, les gars, il faut qu'on. On va acheter un local, c'est bien un local, non? Un local, oui. Voilà, un local. Ouais.
Ouais, non, mais c'est mieux dans. Il est grand? Quand même, ouais. Tu l'as acheté? Non, loué. Ah non, non, on va l'acheter un, les gars. Loué, oui, incroyable. Il sur le table. Ah, il est pas à toi en plus? Non, il est pas à mon nom. Parce que ah ouais, non, non, non. Ouais, non, c'est un mec qui vole. Il faut quoi? C'est l'agent immobilier qu'il faut? Oui, oui, agent immobilier. Los Santos. Attends, j'appelle le patron direct. Non, oh, t'inquiète, t'inquiète, je vais appeler, je vois. Bah, allô. Bonsoir. Wallo, salam alaikum. Ça va quoi? Ça va tranquille, vous, monsieur. Alhamdoulilah. Khoya, j'aurais besoin d'un local, grande capacité, 32Go de RAM, Khoya, grand boîtier, bien ventilé. Ça marche, ok, ça marche. Je vais arriver à l'agence, monsieur. Ah, d'accord, vas-y, à tissu. Et là, tout de suite, tout de suite. Ok, c'est parti à l'agence, c'est mardi. Vas-y, on prend cette voiture? Ouais. Ah non, c'est vrai, attends, je prends ma voiture. Bah oui. Désolé. Vas-y. Le coffret. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tous les jours, nouvelle. Mais elle est fou! Elle est folle! Regarde, 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 elle bouge pas! Ah ouais, c'est une roue à pompe, ça c'est pas ouf! Waouh! Voilà. C'est une propulsion, c'est une propulsion, c'est une propulsion ou c'est une traction? C'est quoi déjà? Traction, ouais. Tobias? Oui? Tu veux pas faire l'imam pour Jean? L'imam? Pourquoi? Tu t'habilles, écoute, on va aller après on va s'habiller et tu vas t'habiller comme un imam. D'accord, parce qu'en fait non, on lui a fait du suhur. Star. Attends, je vais savoir exactement c'est quoi ses symptômes et tout. Bonjour messieurs. Bonsoir messieurs. Bienvenue monsieur. Ouais, ça va. Allô. Juste au téléphone, j'arrive. Salut Jean, ça va ou quoi? Avec toi? Ouais, tranquille. Alors, toujours sous l'effet du suhur? De ouf. Regarde. Mais du coup, c'est quoi tes symptômes? Ah voilà, faut que je t'explique. Ouais. Je vais t'expliquer, ça va te faire marrer, je pense. Là, tu vois, je viens de tomber en panne d'essence, comme d'hab. Oh, starfallah, toi, t'es un chat noir, en fait. Ouais, de ouf. T'es un chat noir dans une nuit noire, dans une rue noire, tout est noir. Dans une nuit noire, ouais. Et là, tu sais quoi, j'ai trouvé l'imam qu'il te faut. Je finis juste un truc et après, on se capte, d'accord? Vas-y, ça marche. On se capte dans ton appart? Ouais, carrément. Vas-y, je te fais signe alors. Allez, à toutes. Bonjour, messieurs, c'est moi qui vous appelais, vous allez bien? Ça va bien, vous. Merci pour le déplacement. Du coup, on voudrait un grand local. Voilà, parce qu'en fait, on va créer une. Comment on appelle ça? Un grand local. Tu sais, une maison en fait pour. Où il y a tous les streamers qui jouent et tout, parce que moi je suis youtubeur. Une gaming house. Ouais, une gaming house. Du coup, on va faire une gaming house. Il nous faut ça. Donc, il faudrait le plus grand local que vous avez. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que. Vous voulez louer ou le. Ah non, Roya, pas louer. Roya, nous on achète direct, Roya. T'imagines? La honte. C'est parfait, c'est 150 000 $. C'est les pauvres qui louent, Roya. Combien? Est-ce que vous avez une 150 000 $, monsieur? Oh, ça va. Ouais, on va louer, c'est bien ça, louer finalement. Ah, louer, c'est bien. Non, on va acheter, je rigole, on va acheter. Ah. Tobias, t'as 80 000? Oui, seulement, bien sûr. Hamid, t'aurais pas 70 000, un truc comme ça? Je regarde. Ouais, si, y a moyen en vrai. Vas-y, bah du coup, c'est bon, on va acheter alors. Ça me va. Est-ce que vous avez une idée d'emplacement ou un endroit que vous voulez? Non, pas trop en vrai. Oui, pas trop. Est-ce que vous conseillez à peu près? Ouais, conseillez-nous s'il vous plaît. Je suis bloqué sur un truc 80 000 $. Non, mais Roya, mais c'est pas grave, c'est quoi l'argent? Ça va, ça vient. Oui, ça vient, mais moi ça vient pas. Ça sort, ça va, ça. Eh bien, pas. Il est fou. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous montrer sur votre carte là-bas là, à peu près les emplacements que vous pouvez nous conseiller? Oui, bien sûr. Si vous voyez sur la carte, vous voyez la zone portuaire. Au niveau de la zone portuaire, on a plutôt pas mal de locaux là-bas. Ouais, qui appartiennent à l'agence, etc. Il y a aussi la zone industrielle juste un peu près au-dessus. Ouais. Okay. On a aussi un peu quelques-uns un peu éparpillés, un peu côté d'autoroute, etc. etc. un peu vers les fermes. Un peu. Ouais, d'accord. On peut même monter un peu plus haut. On va rester en ville, je pense que c'est bien. Ok, en ville. Ouais, on va rester en ville. Mais vous savez quoi? Ce qu'on peut faire, c'est que moi et mes amis, on va faire un petit tour. On repère ce qu'il y a de bien et puis on vous recontacte. Ouais, ça marche. C'est bon pour nous, c'est comme bon ça. Ok, ok. C'est parfait. Parfait. Bah, à tout à l'heure, messieurs. Merci encore. Hein. Merci, au plaisir. Donc 80 000, c'est bon pour toi, Rio? 80 000. Franchement, t'es vraiment un gars sûr. Oui, bien sûr. Oui. Je peux vraiment compter sur vous, ça me fait plaisir. Oui. Dégage. Dégage. Tout le temps, dégage. Voilà. Dégage. Oui. Ah d'accord. Et là, tu m'as dit faire quoi? L'imam? Ouais, l'imam. En fait, on va déshabiller pour Jean. Parce qu'en fait, on lui a fait du sur et elle a que de la malchance en ce moment. Ah bon? Ouais, elle a que de la malchance, la pauvre. Mais j'ai pas le level. Comment ça, t'as pas le level? Bah j'ai pas le favor. Mais non, mais on sait, mais tu. C'est ça l'arnaque en fait, Roya. C'est que t'es pas vraiment un imam. T'es un imam. T'es quoi, level 4, level 5 quoi? T'es quoi? T'es bronze? T'es cuivre? Ouais, on va dire t'es un imam cuivre.
Là, le but, en fait, c'est que tu le fasses croire qu'en fait, t'es un imam diamant, voire champion. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme sur R6. Ouais, 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 je veux. Tu vois, t'as zéro shoot, Roya, zéro brain, mais t'inquiète pas, Roya, on est là. T'es un peu. T'es boosted, quoi. T'es un imam boosted. Alhamdoulilah, c'est bientôt le ramadan. Hop, on va se. Bah oui, bah, faut faire le plein des Hassanat, Roya. Oui, voilà, bah oui. Faut faire le plein des Hassanat. Oui, mais si. Où est-ce qu'on peut trouver. Ah, y'a là, y'a pas. Toi, t'as combien d'XP actuellement, environ? Roya, moi, je suis pas un imam, Roya. Ah oui, d'accord. Non, non, non. En vrai, la plage, j'aime bien, c'est tranquille, Roya. Tu tapes un petit plongeon au calme. En face, le jaune. Ça, le jaune, là? Ouais, non. Attends, je vais voir. Ah, mais je crois que c'est déjà pris. Ah ouais, ouais, voilà. Il y a pancarte et tout. Attends, attends, vite fait. Attends, arrête-toi. Ouais. Voilà, fallait pas prendre notre ringard. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Roya? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ils ont voulu voler notre ringard, il est fou. Et donc, Zarmato, tu tapes le bâtiment? Oui. Mais Roya, ça fait aucun effet, Roya, t'es au courant ou quoi? Il est tordu, tu l'as vu? Ouais, ouais, il est tordu, mais Roya, toi, t'es plus que tordu que ça, Roya. Toi, t'as un détraqué, Roya, là. Merci, papou. Il est parti taper une maison. Oui. Ça va? T'as vomi? Ah, bah oui. Ah, bah oui. Mon ventre, il est monté, en fait. Les montagnes russes. Eh, vous avez mangé quoi ce soir? J'ai mangé des pâtes. Ah, ouais, c'est la hasse ou quoi? Non, alhamdoulilah, c'est bien, c'est trop bon. Depuis l'anniversaire, t'es devenu un peu pauvre, je trouve. Hein. Oh, il tourne pas. Oh, là, il tourne pas. Elle est éclatée, la voiture. Bon, elle était mal fumée, oh, déjà. Non, ouais. Elle fume, oh non. Et il y a moyen de faire une supérette avec ça, en vrai, si elle fume comme ça. Hein. Vas-y, go. Ah, mais tu vois là. Nouveau challenge, vas-y. Okay. film. Ouais, je suis en train de filmer, croyez, vas-y. Let's go. Eh bien, salut à tous, c'est Robas, nouvelle vidéo. Défi, faire une supérette avec une voiture de merde. Donc voilà, voir réaction humaine. Vas-y, bon vas-y, je te fais. Attends. Salut, c'est Nino. Nouvelle vidéo, expérience sociale, mettre humain dans, diabétique dans bouilleron pour voir si ça fait caramel. Voilà. Okay, c'est pouce bleu. Pouce bleu comme ça. N'oubliez pas, pendant le Covid, on se gratte le nez comme ça, hop, pour éviter qu'il y a les. Voilà. Hop, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, vas-y, okay. Bon, on va attendre un peu. Vous avez pris le ce qu'il y avait? Ah non, non. Ah ouais, bah ouais, mais braqué, wesh. Vous attendez quoi? Hein? Il m'a fait un saut d'étranger. Non, ouais. il a pas de sous. Ok. C'est quoi ça? Vas-y, doucement, par contre. Wesh, il a soulevé une meuf. Ah, mais tiens. Wesh, Jean. Mais toi, tu te fais soulever par tout le monde, hein? Non, mais c'est rien. Ah ouais, Jean. Allez, ah, ça t'arrive, vous tombez à pic! Ouais, je sais ce que j'ai vu, t'inquiète. Voilà, vous tombez à pic. C'est pour moi, les gars. Ouais, ça va, toi, Jean? Ça va pas? Ouais, bah écoute, regarde le résultat, comme d'habitude, au problème de voiture, tu vois. Jean, vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Merci, je t'expliquais tout à l'heure. T'inquiète, Jean, là, je trouve un imam de compète. Tout à l'heure, toi, tu seras en présence de l'imam, ok? Ouais. Oui, bah c'est moi. Ah non, c'est pas toi, mais non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi, c'est pas un imam. Allez, regarde, quelle la facture. Putain, elle est facture, les gars, hein. Respectez-moi. Ah ouais, t'as changé, Roya. Ah, tu veux que je te mette ça me dégoûte, J'appelle le patron. Putain. Vas-y, les gars. Bon, les gars, attendez, je fais l'essence, non? Si t'es une galère comme ça, me rappelle plus, s'il te plaît. Ok. Excuse-moi. Ah, ouais. En fait, je vais faire les fois, même. Mais oui, Roya, pourquoi tu balances toujours les plans, Roya? Mais non, mais j'allais pas comprendre. Vas-y, vas-y. C'est grave. Mais regarde, les Weasel News, ils ont pas compris, hein. J'ai toujours pas vu la vidéo de truc là qu'on a faite là, avec eux là. En fait, ils sont cons. Ils l'ont fait tourner, mais pas publiquement. Ils sont cons. Ils l'ont fait tourner. Il y a plein de gens qui l'ont maintenant, mais pas publiquement. Ouais. Avant, ils l'ont envoyé par WhatsApp ou bien. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, ils sont un peu bêtes, ça. Quoi, on pourra. Non, regarde, ici, c'est la haze ici, hein. Ouais, non, c'est les cartes pauvres. Laisse tomber, hein, ouais. On est riche, bah ouais, tout, nous, on est riche. T'es riche, toi? T'as de l'argent? Hein? T'as de l'argent, toi? Non, hein? Oui. Ah voilà, votre elle est pourrite, mais elle voilà, elle tourne pas sa mère. Ouais, elle est éclatée sous le. Fou là là. Mais la voiture, on dirait une Porsche qui est une fou malade. Et c'est une Clio 3 réellement. Regarde comment elle tourne. En fait, t'es obligé de drifter. Si tu tournes normal, c'est mort. Doucement, doucement. Oh Seigneur. Oh là 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 là. Est-ce que t'as vu la vie défiler? Ah, j'ai vu la vie défiler, hein. Ouais, faut tout le temps drifter avec. Et voilà, du coup on est là. Ok, bah c'est bien là. C'est ce que tu voulais? Ouais, ouais, c'est pas mal. Là, genre, on a la pause? Ouais, ouais, on voit la. Ah non, ici. Vas-y. Là, c'est bien là. Vas-y. Ouais, là, c'est bien là. Je vois la pause. Là, c'est parfait là. Attends, appelle-les et tu leur dis, je vous envoie la pause. J'ai appelé pour le sac, les gars, vous rappelez du sac?
Ah ouais, elle est vraiment pourrie ta voiture. Allô. Ouais, ça va ou quoi, Bobby? Bah, papa, ouais, ok, je ton numéro et... On s'est parlé, tu sais, hier ou avant-hier au Bénis par rapport au sac. Ah, c'est le monsieur avec la berline rose. C'est ça, ouais. Le sac rose que t'as acheté 7000$, etc. Exactement, ouais. Ouais, d'ailleurs, ouais, vous êtes référencé au cahier des enchères pour que vous voyez ce que je vous mens pas, hein. Ouais, je vous ai pas menti, hein, monsieur. Vous avez acheté aux enchères, c'est une pièce unique. Ouais, vous m'avez pas menti, effectivement. Bah du coup, alors, est-ce que vous avez un dernier prêt à me proposer? Faites-moi une offre, monsieur. 9000? 9000, ça vous va? 9000 une fois. 9000 deux fois. 9000 et 1$. 9000 et 1$? Ouais, parce que là, je suis devant un Sunday, là, mais j'ai pas de sous, là, et ça coûte 1$. Ok. Ah, du jeu. Parfait. On a un accord. C'est bon, vous le mettez de côté, d'accord? Fais un tour. Il sera en sécurité, de toute façon, il est toujours en sécurité avec moi. Ok, ça va. Je voulais qu'on fasse l'échange quand, monsieur? Bah là, dans la soirée, je finis quelques trucs, après je vous contacte, ça vous va? Bah, on s'y est en courant alors, merci. Bah j'attends votre appel alors. Ouais, ça marche, merci. Merci, bonne soirée. Tu vas arrêter de faire le truc là? Non, on testait. Ta gueule. Voilà, messieurs, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais, ça serait du coup le local l'autre côté là-bas. Ok, ça marche. Voilà. C'est pour l'acheter, ouais. Pour l'acheter, on a beaucoup d'argent. Ouais. Non, toi t'as rien du tout, regarde. Ah bon? Ah bah non, bah donne-moi 80 000. T'as 80? Allez, s'il te plaît, Roya. Bah voilà, ça ton problème. Ah, on m'appelle. Allô? Allô? C'est qui? C'est Minos! Hein? C'est Minos! Minos? Comment ça, Minos? C'est Anes! Ouais, c'est Anes! Mais c'est Minos! Ouais, je t'ai venu à Los Santos! Bah oui, je suis venu à Los Santos, ça va, Roya? T'es venu faire des vidéos? Ouais, Non, moi, c'est Twitch, moi, c'est pas des vidéos, je suis venu faire des vidéos. Non, 100 000 abonnés, Roya, sur YouTube, on a vu, certain! Ouais, mais ça, c'est rien, c'est bien, ça fait plaisir, on va dire. Hey, tu ressembles de ouf, hein, Kefta? Pourquoi? Je sais pas, vous. C'est qui, Kefta? Ouais, c'est un petit merdeux quoi, qui s'invente une vie et tout, mais vas-y, c'est pas grave. Ah ouais? Ouais. Un petit bouffon quoi, comme d'hab. T'as où dormir? T'as où crécher? Bah non, justement, c'est pour ça que j'appelle. Bah oui, c'est pour ça, c'est quand t'es dans la merde que tu m'appelles. Mais je vais pas t'appeler quand il se passe rien, je vais t'appeler quand je suis dans la merde. Bah oui, tu vas pas m'appeler quand tout se passe bien dans ta vie, c'est normal. Mais Roya, c'est comme ça que ça marche la vie. Eh ouais, évidemment. Bah vas-y, Roya, bah là je suis avec. Bon, je suis avec des mecs que tu connais pas forcément. Tobias et Hamid. Ah, je connais pas. Ouais. Vas-y, Théo, merci pour le sub, hein. Je suis en moto. T'es en moto, je suis en zone portuaire, regarde, je t'en. Ouais. Je suis en zone portuaire. Ouais, je suis au port, je suis en train d'acheter un local, regarde. Vas-y, on prend une pause. Gaming Hess, vas-y, regarde. Vas-y. En fait, il a fait un nouveau perso, je crois. Il a fait Minos. C'est bon, messieurs? Très bien. Ouais, on a bien eu les accès, tout s'est bien passé. Ah, bah parfait. Faire rentrer. Ok, merci. Allez-y. Je vous en prie. Ah oui, c'est un vrai en guerre, c'est mieux que. Ah ouais. Ça, c'est de la hagra. On se fout pas de vous. Ça, c'est stylé ça. Et la capacité, ça, du coup, je peux stocker combien là-dedans là? 750. Waouh, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est des kilos ça. Ouais, bah ça me va. C'est vraiment pas mal. Je l'ai passé. Voilà. Voilà. Combien? 150 000, regarde. Passerait 80 000 un peu environ. Vas-y. Demain. Voilà. Oui. Je te donnerai 20 000 pour ma part. Ça marche. Du coup, vous avez les accès au coffre, vous pouvez les donner, etc. C'est vous qui gérez ce genre d'affaires. Ouais, ça marche. Okay, je vais juste vous passer vos petites clés. Et si vous voulez faire le double, il faudrait passer directement à l'agence et on vous le fait. Ça marche? Ouais, ça marche, on fait comme ça. Félicitations. Merci, ça me fait plaisir. Moi, je vais faire une crémaillère, je vais faire une crème chantilly ici, je vais faire des trucs. Ouais. Il nous faut juste une petite carte d'identité pour remplir nos papiers. Ah, les problèmes, toujours les papiers. Putain. Eh oui. Toujours démasqué. Ça marche parfait, tenez, je vous le rends. Voilà, c'est parfait. Et un petit numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ah ouais, ça va si vite entre nous, regarde. 3x8, 241. T'as vu comment je l'ai dégainé, mon numéro? Ah, je vois que monsieur a l'habitude. Non, on voit que le monsieur a l'habitude, effectivement. Ah ouais. Félicitations à vous et à une prochaine achat. Ouais, merci, ça marche, merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir, bon courage. Bonne soirée vous, monsieur. Ouais, vous aussi, merci. Eh hey, les gars, je vais vous présenter un pote, il s'appelle Minos. C'est un collègue. Ah bon? Ouais, c'est un collègue youtubeur, il arrive. Vas-y. Il me fait grave penser à Kefta de ouf. Ça m'étonne. C'est bizarre ce nombre de youtubeurs qui débarquent comme ça à Los Santos. Ouais, d'un coup. On va faire une supérette avec lui, je pense, pour le mettre dans le bain directement. Histoire de. Roya. Non, mais je te touche, je t'ai glissé. Attends, je vais. Vas-y. Ouais.
Ça va ou quoi, les gars? Attends, attends. C'est qui lui? Viens, viens, deux. Bonsoir. De quoi? Ça va ou quoi, Roya? Bah, ça va, toi? Ouais, ça va. On est là, hein. Roya, t'as. Non, mais tranquille. Hein. Bonsoir, comment allez-vous? La santé, Thomas et Tobias? Non, y'a un truc qui me choque en fait. Oui, c'est moi, Tobias. Quand on, Wade, quand voilà, on s'est vu à Paris, Roya, il te manquait un casque, c'est pour toi? C'est pour ça? C'est bien là, t'as pas de casque. Ouais, c'est une MT-07? Ouais, trop belle. Ouais, ouais, c'est une MT-09. Ça, c'est, une moto du 9.5, ouais. Ah ouais, il l'a ramené avec lui ici. T'as vu, je suis devenu beau gosse hein, depuis le temps. Ouais, de fou, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. 100 000 abonnés, ça enjolive un peu. Ça se met bien, voilà, ça se met bien. Attends, les oreilles bien et tout, nif et tout, le fond, mais franchement, c'est... C'est incroyable, hein, incroyable. Alors, c'est quoi le programme du coup? C'est toi, c'est quoi ton programme? Allez, viens. Non, mais dis-moi... Viens, t'inquiète, Roya, là, je vais te faire visiter Diallo Santos, Roya. Non mais attends, mais elle est incroyable, ah ouais. Ah ouais, Roya. T'as percé, toi, depuis que je t'ai laissé, hein. Ouais. Oh, et vous, c'est quoi vos noms, les gars? Moi, c'est Hamid. Moi, c'est Tobias Well. Enchanté, ouais. Hamid et Tobias. Ouais. Vas-y, on va enchanter, les gars. C'est toi, c'est quoi? Moi, c'est Minos. Minos, c'est Minos. Minos, SV. Minos, DSV. Minos, ah, ça Minos de S. Bien, ah ouais, Minos DSV. Ok, ok, ça marche. Viens, on va faire les courses, regarde. Mais, oui, on va faire les courses. On va te présenter un petit peu, tu sais, les produits locaux de Los Santos, les boissons, parce que rien à voir avec ce qu'on a à Vélez, hein. Sérieux? Oh, rien à voir, Roya, laisse tomber. Moi, tu me dis, Minos, je suis depuis longtemps. Si t'as quelque chose de besoin, tu me dis, hein. Ouais. Bah attends, tu sais quoi, regarde, je vais te passer mon numéro. Vas-y, tu peux faire ça, ouais. Ça passe là, ça passe? Ça passe. Voilà. Oh lolo. Non, ça passe, ça passe. C'est bien depuis que je te Ça va. N'oublie pas que j'ai 31 ans quand même, Roya. On dirait que tu m'as laissé, j'avais 14 piges. Ah oui, c'est vrai, t'es plus vieux que moi en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais, tu oublies à chaque fois ça. Non, mais à chaque fois j'oublie. Ouais. À chaque fois j'oublie. Roya. C'est bizarre, hein. Ouais. Hayat, des nouvelles? Moi, Hayat, Qu'est-ce qui se passe? Pour couper l'ananas, d'accord? Donc là tu... Ça arrive. Il fait coffrid, il a l'habitude, je pense, à Barbès, il devait avoir... Il a eu un réflexe. Je pense qu'il faudrait dire à Minos de venir en radio, non? Rien? Ouais, dis-le. Qu'est-ce que tu fais? Ananas, s'il te plaît. Minos? Il m'a dit de faire le coffre. Ah ouais, donc, ok. Donc premier jour au Habs, vas-y, bismillah, ça fait plaisir, Roya. Attends, c'est toi qui conduis, non? Non, c'est pas moi, y'a personne dans la voiture. C'est qui? Allah Alem, Roya, le premier qui monte, il conduit. C'est la règle. Mais non, t'as dit que c'est toi qui conduisais. Roya, imagine, tu te fais attraper par la police, Roya. Minos, arrêté, grand youtubeur, 100 000 abonnés, il l'a fait en prison. C'est grave, Roya. Mais non, je suis Twitcher, c'est pas pareil. Ouais, mais Roya, t'as quand même 100 000 abonnés, Roya. Donc t'es quand même un peu youtubeur, un petit peu. Un peu, c'est vrai. Un petit peu, c'est vrai. T'arrives là? Non, pas du tout. Je fais tout dans le mauvais sens. Ouais, bah... Vas-y. Non, parce que normalement, en fait, c'est avec le son, mais comme je parle, tu n'as rien à entendre. Donc je vais continuer à parler comme c'est ça. C'est pas avec le son, c'est avec la vibration. Ah ouais? Putain, mais j'ai jamais fait ça, hein, frère. Toi, t'arrives, tu connais plus de choses que moi, c'est grave. Mais oui, c'est... Ça va, tout se passe bien? Ouais, bataille de regard avec Apu, comment ça se passe, Roya? Ouais, là, on se... Vas-y. Jouge. Hey, il a le même nez que Prince, Roya. Viens voir sur le côté. Ah ouais? Gueux. C'est bon. Oh, c'est il bon. A de la concurrence, hein. C'est bon? C'est bon. Bah, parfait. Hein. T'as des notions, Roya, en tout ce qui est imam et tout, parce que je t'explique. Je connais une meuf, en fait, ils lui ont fait du suhur, mskina. Mais c'est pas du tout le marocain. Viens, attends. Déjà, viens dans mon bureau, viens. Ah ouais, quand même. Ok. Vas-y, monte. Ah ouais, donc ça, c'est le bureau. Vas-y. Mais non, c'est un bureau qui est à côté, tu vas voir. Vas-y, ça marche, vas-y. T'as le permis, j'imagine? De où est-ce le permis? T'as passé le permis quand t'es venu? Bah oui. Ah oui, ok. Vas-y. J'ai clairement passé le permis. Pourquoi? Non, mais parce que tu sais, la police, ils rigolent pas, Roya. Tu crois vraiment que je vais conduire une voiture sans avoir le permis? Jamais de la vie. Vraiment. Je te pose la question comme ça pour savoir. Je suis youtubeur, je suis twitcher. De quel bureau tu me parles, toi, en fait? Viens, t'inquiète.
Vas-y, vas-y. Tu parles du bureau de Mirror Park ? Non, ouais. non, c'est mon bureau. Ok, vas-y, vas-y. C'est ton bureau, ça ? Ouais, c'est mon bureau. Vas-y, ouais, t'écoute. Ouais. Ça s'appelle le Piper. Ok, alors, je t'explique, Roya. C'est une meuf, en gros, je pense, elle pense en fait qu'ils lui ont fait du sur, de quoi ? Parce que, elle a que des mauvais trucs, genre panne d'essence, elle se lève le matin le très important, là. Est-ce que c'est une Marocaine ? Non, c'est pas une Marocaine, c'est une Française. Ok, bah, c'est bon alors, ok. Roya, tu sais comment elle s'appelle ? Wallah, c'est la vérité, elle s'appelle Jean. Comme Jean Zam. Jean, ouais. Déjà, elle paraît qu'un inconvénient. Bah là, clairement, dans la merde. Donc du coup, elle m'a dit ce que tu connais un bon imam. J'ai conseillé Tobias. Alors ce que tu peux faire, c'est que Minos, tu fais imam. Et Tobias, tu fais imam suppléant. Hamid fait imam suppléant. Et moi, je suis l'arbitre. Et c'est qui le diamant dans l'histoire? Bah c'est Minos. Lui, il est en fait, il est imam diamant. Toi, t'es imam platine. Hamid, gold. Imam gold. Voilà. Et moi, Roya, je suis l'admin. Je suis le staff, quoi. Donc j'arbitre. Ok, quoi. Ça marche. C'est bon pour vous? Bah, elle est où, la djinn? Je l'appelle. Je lui dis de venir directement dans ton bureau. Dans mon bureau, okay, directement. Okay, vas-y. Parce que là, je suis un peu. Ça va, Hamid? Ça va. Mais pourquoi vous êtes tous habillés en rose? On est le gang des roses. Ta gueule. Allô ? Ouais, Jean, ça va ou quoi ? Oui, ça va. Écoute, je t'ai dégoté un imam. Là, je suis actuellement dans son bureau. Ah ! Ouais. Okay. Je t'envoie l'adresse, tu viens ? Ouais, carrément. Vas-y, eh ben, ça vas-y, va. C'est parti. À tout de suite. Elle arrive là ? Ouais, elle arrive. Oh, il pleut sa mère ! Oh putain. Vous avez quelqu'un à parapluie ? Inondation du bureau. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec un gilet ? Pose ça, wesh, dans le coffre ! Ouais, c'est un peu lugubre quand même pour un premier rendez-vous, je trouve. Ici ? Ouais. Un imam en cuir. Avec cigarette, oh là là, c'est au chocolat. Regarde, t'as vu, en plus elle arrive, il pleut comme par hasard. La scène elle est lugubre. Oh là, elle est lugubre. Dis-moi comment ils sont. Eh les gars, voilà, de loin, voilà, on dirait on a un rendez-vous pour acheter des AK. Je te jure, tu sais les rendez-vous sahab illégal et tout, tu vois, entre les bikers et les. Oh, je te jure. Regarde, oh. allez là-bas et venez vers moi, vous allez voir. T'as vu ou pas? Non, en vrai là. Ça fait peur, hein. Entre deux camions, tout d'un coup. Y'a trois mecs bizarres. Attends, Anas, ouais. La dernière fois que je te laissais, t'avais trois cheveux. Ouais, Roya, en fait, j'ai fait un détour en Turquie, Roya. Et de là, en fait, j'ai atterri à Los Santos, Roya. Et ça fait des miracles, en vérité, regarde. Ils m'ont griffé une barbe à papa au calme. Ça fonctionne bien pour le moment, ça tient bien. Une barbe, t'as dit quoi? Une barbe? Une barbe à papa, ouais. Putain, ça peut me servir, ça. De quoi? Chaud de ouf. Ouais, qui a parlé? C'est qui a parlé? Starfallah, il y a des genoux ici ou quoi? Ça n'a pas parlé. Elle a ramené ses genoux, si j'ai entendu. Ouais, je crois qu'elle arrive. Y'a quelqu'un? Un Marocain qui se démontre? Y a-t-il un Marocain qui veut. Ah, elle est là. Non. Si elle a pris le parapluie. Ça va? Ah ouais, Jean, ça va ou quoi? Tu vas bien? Allez. Bah, ouais, écoute, je te laisse procéder le bureau de l'imam là-bas. Allez-y, salam alaikum, je m'appelle Dr. Ismail, imam bis, allez-y. Tu m'as wesh. Allez. C'est les lugubres de ouf. Comportement. Ouais, bonjour madame. Donc voilà, Cheikh Minos. Bonjour. Ouais, l'imam qui est en train de fumer au calme. Bonsoir. Vas-y, tranquille. Salam alaikum. C'est un imam qui fume? Très bien. Salam alaikum, comment ça va? Ça va, Abdallah, ça va. Tranquillement. Ça va, j'ai des petits problèmes de genoux nage, mais ça va. Non. Il y en a qui ont des problèmes de voisins, mais bon. Faut savoir quelque chose. Voisinage. Faut savoir quelque chose, Rté. C'est que les problèmes de genoux nage, c'est jamais par hasard. Ouais. Madame. Ok. Tobias, scalpel. Oui. Hein? Scalpel, quoi? On t'a pas dit de l'opérer, on l'a dit non, de faire... Non, mais Zana, c'est des termes techniques qu'on emploie entre nous. Okay. Pour dire genre, question numéro 1, scalpel. D'accord. Okay. Mais nous, si vous permettez de faire l'intro. Ouais, bah allez-y. C'est pas un intérieur, les gars, parce qu'on est trempés, non? Madame, c'est mon bureau, techniquement. C'est madame sur les parapluies. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Madame sur les parapluies. Mon bureau, en fait. Vous voyez, j'ai un jean en moi. De fou. Je contrôle la pluie, les gars. Ah ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Oui. Wassilet. Madame, il va vous poser quelques questions. Ouais. Vous répondez clairement. Voilà. Quand est-ce que pensez-vous avoir été genouné? Je pense que c'est quand je suis arrivée par ici. Hein. À Los Santos ou bien dans le quartier? Los Santos ou dans le quartier? Ouais, à Los Santos. Parce à Los Santos. J'ai pas trop ces problèmes-là. Hein. D'accord. Avez-vous aperçu, vu ou même touché un Marocain? Qu'il soit. Oui. Ah, oui. Ah. Qui ça? Ah. Qui ça? Mon mari. Ah ouais? Son nom, son prénom. C'est bon, affaire conclue. Le russe, le Marocain russe. Tu peux le tuer du coup?
Le marocain russe. Il faut faire quoi? Ouais, ouais. Ah ouais, regarde, il est marocain et russe. T'imagines? Ouais, chaud, une cala genounée. Il s'appelle comment? Ross. Est-ce qu'il y a des trucs cachés chez vous, des objets qui pourraient être très bizarres? Une odeur fétide. Des pattes de lapin. T'as une odeur? Non, 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 pas ça. Non, c'est plus des odeurs. Des odeurs pas communes, des... Voilà. Ah oui, 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 oui. Ouais, il y a des petites odeurs genre... Faut mettre du proche. À mon avis, faut aller dans un appartement, faut mettre de l'eau, faut mettre du proche. Ouais, ouais. Donc, madame, ça tombe bien. Tobias, t'as ramené le bidon de proche. J'ai ramené, madame. Il faut vous... Allonger. Okay. Je suis dans le regret de vous dire qu'on est obligé de passer chez vous. On va aller, on va vous faire un Ghostbuster, là. On va y aller, là. Allons-y. Ouais, non, mais c'est. Dans votre voiture, les gars, parce que la mienne, elle est moins. Ouais, vas-y, monte dans le coffre, vas-y, monte dans le coffre, t'inquiète. Dans le coffre. C'est pas porté plutôt. Non, va dans le coffre. Non, madame, non, madame. Madame, vous êtes genouné, vous êtes genouné, madame, on va vous toucher. Vous êtes genouné. Déjà, rien que le fait qu'on parle avec vous, c'est dangereux pour nous. Ok, c'est vrai. Ça va? Ouais, je m'étouffe un peu. Attends, 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 j'ouvre un peu, respire, respire. Ah, si, merde. C'est bon, respire. Ça va, c'est bon, ouais. C'est bon, je te laisse respirer, d'accord? Merci. Ouais, accroche-toi, madame, hein. Accroche-toi bien. Des bismillah, madame. Oh, en plus, il pleut, la voiture ne tourne pas. Oh là là. Tu vas penser. Non, non, ah, oh. Ouais. Ça va, bon, ça passe. T'inquiète, ça passe. Ça va? Ça se passe bien, là, c'est bon? Ouais. Parfait. En tout cas, très beau coffre, hein. Ouais, il est spacieux, hein. Ouais, c'est un coffre. C'est un coffre de fou, c'est un coffre. Halal, il est halal. Il y a du pror dedans, c'est pour ça. Ok. Madame, Jean, c'est quoi le pror? En fait, c'est de l'encens en fait. Ah oui, oui, très bien, ok. Et c'est ce qu'on va mettre dans ton appartement pour. Ouais, mais t'es en plein à balle. Ouais, wow, t'inquiète. Wow, on en met plein à balle, oui, mais, bien sûr. Mais le mari, il est à la maison ou pas? Non, il est pas là. Ah, alhamdoulilah, ça va. Ah bah, c'est bon alors, là, c'est bon. C'est bon. Mais il y aura plus on de est arrivé. Ouais. Je prends le bidon d'encens, madame. Putain, voilà. Attends, faut que je m'étire un peu là. Ah ouais. T'es souple? Vas-y, c'est parti. Très souple. Allez, c'est parti. Les gars, vous sentez l'ambiance, elle est pesante ici, Roya. Ah ouais. Là, déjà, Roya. Ça se voit que. Là, déjà, il y a quelque chose là. Ouais. Rien que l'entrée, Roya, ça s'entraîne. Mets du prol. Vas-y. Hamid, tu t'allumes. Et tu fais le. Faut faire des incantations. Tu fais des incantations, toi. C'est obligatoire. Voilà. Et Hamid, il allume. Voilà, tu peux allumer, c'est bon. Vas-y, mets du prol là. Non, on est bon là. Là, tu mets du pro, là. Voilà, bismillah. Voilà. Attends, faut bouger un petit peu. Voilà, là, c'est bien. Donc, première pièce effectuée. Mise. Non, c'est du pro, c'est de l'encens. Ah bon? Ouais, on met de l'encens. Mais vous êtes sûr? Ouais. L'ambiance est très pesante ici aussi, là. Madame Yvlav, c'est ça? Madame, l'ambiance est pesante. Vous avez affaire au meilleur. Je vous fais confiance. The cream of the cream. Mais les meilleurs, the cream of the cream. Non, mais je vous crois. Les gars, l'ambiance, elle est grave pesante ici. Hein. On est d'accord, hein. Mais vous avez pris votre EMS? Hein? EMF, pardon? Là, c'est un niveau 5, là. Attends, viens, vite, j'ai son jeu. Mets l'encens. Là, on va balancer. Madame, c'est très technique, je vous conseille pas de regarder. Ok, je regarde. En fait, ça consiste en fait à prendre de l'encens, un briquet, faire des incantations un petit peu barbares. Et normalement. En fait, le but, c'est d'être encore plus genouné que le genou lui-même. C'est-à-dire qu'il a peur. Il se dit, waouh! Alors, c'est des malades. Je peux prendre la spirit box si vous voulez. Ouais, bien sûr. Regardez, là c'est pour l'encens. Vas-y, Hamid. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Voilà, donc là, l'entrée et la pièce gaming. Là c'est bon. Les gars, la danse. Attends, dedans, faut dedans, ouais. Intérieur, c'est bon, vas-y, tire. Les gars. T'inquiète. Vas-y, on fait la danse. C'est combien? C'est bon. Là c'est bon là. Ah sa mère. Wesh mon pantalon. Wesh je suis en train de cramer. Attends 10 minutes. Attends je suis en train de cramer, Roya. Ah sa mère. Wesh je suis désolé hein. Attends c'est pas grave. C'est bon. Ouais c'est bon, j'étais mes habits là. Ça va? Attends il est où Minos? Minos il est où? Je crois pas que le démon il t'a eu Minos. Non. Il l'a eu. Il l'a eu. Oh non, Minos, on t'a aimé. Wow. T'as vu? Mais c'est très grave. Mais non, mais ouais. Starfla.
Non, il y a des genoux, non, écoute, écoute, Jean. Ah, oui, oui, oui. Oh non, non, arrête, arrête, non, vas-y, je me casse, moi, Roya. Non, il est là. Là, tu vois, c'est très grave ce qui vient de se passer, tu vois. Là, il nous a attaqué. Ah ouais, c'est grave. Attends, j'ai trouvé une patte de poulet sous mon oreiller. Prends la photo, prends la photo, prends la photo. Vas-y. Faut la prendre en photo, faut la mettre dans le carnet. Je l'ai en photo. Viens, on descend. On va appeler les EMS là parce que Mskid il est mal. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, Mskid il a décédé. Vous voulez pas que je vous mette des fringues, les gars? T'as des fringues? Bah ouais, j'ai les fringues de mon mec là-haut. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas s'il va apprécier, mais tranquille. Ouais, c'est bon, ça va, elle est gentille. Moi, j'y vais. T'es certain qu'en tout cas, l'appartement, tu payes combien? 8 500 $. 8 500? Ouais. Tu ramènes d'où l'argent? Ton avis? Je sais pas. Je prends dans le compte de l'entreprise. Ah bon? Voilà. En plus, elle a rigolé, elle a dit l'entreprise. Elle a fait comme ça. Ouais, mais vous êtes très bien comme ça. Mskid, Minos. T'as vu, c'est quoi que t'as trouvé là? Regarde, ah oui, les Russes, c'est normal. Ok, ok, c'est bon. Ouais, ah oui, les Russes, bah oui, c'est tout. Tu veux qu'on te dépose à l'hôpital? Ouais, je veux bien. Vas-y, vas-y, bien. Carrément. Oui, bah tranquille, normalement, normalement, t'auras plus de soucis là. Oui, voilà. Normalement. Faut même du plus, parce que là, j'ai fait un petit peu de la fin. Ah, merci. Voilà, pas de soucis, madame. Merci beaucoup. Ah, ah oh, sa mère. Il fait quoi comme vidéo, Minos? Oh, de la merde. Il est youtubeur? Sachant ouais, plus, je suis cardiaque. C'est un streamer, non, 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 ouais, ok. C'est qui le chauffeur? Super. Je connais même pas en plus. Ah, oh, putain, c'est le parfait, meilleur couple de Los Santos. Ça va ou quoi? J'ai nommé Cassidy et 66. Ça va? Les tangos aussi. Non, c'est allez... le duo maintenant. Ce que vous allez bien? C'est la dame. Ça va les bébés, la dame, les enfants, les grand-mères, tout ça? Ouais, écoute, ça va. Hein. Les repas de famille dimanche, c'est pas trop chiant avec la belle-mère? Ouais, écoute, ça va, elle est gentille, sa mère. C'est chiant, bah, ça se voit, c'est chiant de ouf. Techniquement, on est plus ensemble là. Ouais, c'est des bêtises, là, c'est des bêtises. Non, mais on est censé être en dispute là. On est censé. Ah ouais, ouais. On s'arrange petit à petit. Ouais, mais on se dispute tellement que des fois je me souviens même plus pourquoi on s'est disputé. Ouais, comme hier quoi. Vous êtes disputé. Là, je me souviens, je sais pourquoi. Pourquoi? Tout à l'heure? Pour rien. Pour rien du tout. Il t'a trompé? J'ose pas. Non. Ah, il a liké la photo du meuf sur Instagram? Non, pire que ça. Quoi? Il a fait quoi? Il l'a DM? Bah, il y a un de ses collègues qui est tout le temps entre nous. Comment ça entre... Vous faites des plans à trois? Stop! Non, pas ça! Pas ça! Mais quoi? 70, tu fais des plans à trois maintenant? Non. Elle a dit, il y a toujours un collègue entre vous? Non, ah. Je suis père de 45, explique-lui. Qu'est-ce qu'il a 45? Elle parle d'un collègue avec qui j'ai patrouillé ce soir et hier soir. Oui, et du coup, elle a un peu jalouse. Tous les jours, va, tous les jours. Oh, mais c'est un mec? Oui, ouais, c'est un mec. Et alors, pourquoi t'es jalouse? Ah, c'est ça le truc. Tu crois qu'il va le pomper ou quoi? C'est bizarre, toi. Bah ça, écoutez, voilà, ça je peux pas savoir. Imagine si tu patrouilles avec une meuf, elle va te zigouiller. Ah oui, non mais c'est... Ah oui, c'est grave. Ah, c'est non, mais là, c'est différent, c'est différent. Vous savez, tout à l'heure, je dis viens, on doit parler. C'est pas, il fait quoi le boug là? Il ramène son 45 avec dans le bureau. Ouais, ah ouais, ça va son garde du corps. Ah mais oui, son sac à main. Cassidy, bah t'as qu'à patrouiller avec un mec ou une meuf pour le rendre jaloux. Mais bien sûr, j'essaie de rendre jaloux avec 04, mais ça a pas marché. Mais faut pas lui dire devant, faut pas me dire ça devant lui, c'est normal, il va pas être jaloux. Il est trop gentil. Ah mais flûte. Mais non, mais t'as qu'à, écoute, Cassidy, t'as qu'à faire des trucs. Je dois pas décider. Capitaine, objectif capitaine, promotion, sous le bureau, canapé, voilà, t'as compris. Je suis pas genre de film. Ouais, pas voilà, dit-lui. Ouais. Mais ceci bon. Dit, lui, c'est ce genre de mec. Je me fais agresser, là, je me fais il m'a déjà. Non, rien. Tu vois, non, sentis, tu vois. Les langues se délient. Les langues se délient. Je pas un jour, tu lui as dit que j'étais allé à l'unicorn alors que j'étais en face de toi. C'est vrai, frère. Et les putes que tu t'étais tapé, incroyable. Pardon. Ah ouais, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Et c'est le soir où il t'a appelé, il t'a dit que j'étais allé à l'unicorn. Qu'est-ce que t'as fait? Je viens de vous, ça a fait du tout. T'as fait quoi? Gros bise. Voilà! Toi t'as rien fait? Ça c'est bien ça Cassidy, ça c'est bien. Femme fatale, vas-y je vous laisse les amoureux, bisous. Va chercher si je pète sans moi. T'as fait quoi là? Mais je suis d'accord, gros, tu m'as poursuivi jusqu'ici, wesh. Zori, t'as fait quoi? Attends. Regarde, t'as vu Cassidy, elle a mis un coup de tête à... Eh les gars, attendez, moi j'ai une question. Ah, on m'appelle, attends. Oui. Ouais, Minos. Ouais. Je suis au niveau de l'appartement, je suis brûlé de partout. Jure? Mais attends, mais t'es où? Dans l'appartement? Non, à l'extérieur, devant l'appartement. Vas-y, on arrive, on dépose. Vas-y. Tu sais, Effie, la meuf que j'ai pris son numéro de téléphone avec la bouteille, tu te rappelles? Ouais, elle m'a dit, je l'ai vu en plus. Ouais, alors, elle m'a dit, sinon pourquoi tu voulais que je t'appelle? Je suis curieux, j'ai dit, c'était un petit défi. Elle m'a répondu, d'accord, je vois, bonne continuation alors. Normalement, c'est bon, non? Bonne continuation, ça veut dire continuer ça, moi, casse-toi. Je veux dire, voilà, bah, je continue tout seul. Oublie-moi, ah ouais, ok, attends, je vais lui poser la question. Bonne continuation, mais genre, sans elle ou... Continuation sans elle ou avec nous ensemble?
Ouais, je lui dis bonne continuation avec ou sans toi. Non, moi ça passe, hein. Mais tiens, là, comme on dit. Tiens, là. Et toi, alors, ça fonctionne, toi, la technique? T'as eu des numéros? Avec le sandwich. Ouais. Sandwich, ils ont dit R. Ouais, non. Mais mets la bouteille d'or, regarde. Ouais, au moins, tout le monde boit de l'eau. Tout le monde boit de l'eau. Non, moi ça passe. Aïe. Non, mais là, je vais la revendre, cette voiture de merde. Oh, elle est pourrie, hein. Je vais la revendre 1$. Ah ouais, vas-y, au chaud. J'achète. Ah, jusqu'au bout, hein. Ah, il est là. Ah, bah, vas-y, voilà, vas-y, Minos, vas-y, te là. Tiens, vas-y, monte, Minos. Roya, le genou, il t'a tapé, Roya, laisse tomber. Hein. Putain, ouais. Ah ouais, laisse tomber. Roya, il t'a attrapé, fais ce qu'il t'a fait un sandwich. Elle est où, la genounée? Elle est à l'hôpital, elle est au Sims, qu'il a, il l'a eu. Oh là là, il l'a eu aussi. Oh là 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 là. Bu. La voiture des futurs. Attends, j'ai reçu un message. Ah ouais, bah. Ah ouais, moi, ah, bah, moi, c'est bon. Ah d'ailleurs, faut que j'enregistre ton numéro. C'est bien ça. Oui. T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Ton numéro. Elle a des points. Elle m'a dit sans moi pour le coup, mais je suis pas fermé aux nouvelles rencontres amicales au cas où. Ah voilà. Ça, non, moi, bon, je suis professionnel en séduction. Ça veut dire chope-moi mais discret. Ah ouais? Ah ouais. Ah bon? Oh, attends, y'a ma meuf qui m'appelle. Allo, Alvaro? C'est... Ça va ou quoi? Ça meuf. Je voulais parler tranquillo, mais j'ai plus les nouvelles. Ouais, ouais. C'est ouais, laisse tomber, j'ai que de la merde en ce moment. Bah écoute, je dépose un ami à l'hôpital. Oh, je suis à l'hôpital, viens, on va discuter. Et vas-y. Juste un truc? Ouais. On discute tranquillo, d'accord? Pas envie d'être à la foire ou au cirque, je sais pas quoi, d'accord? Ouais, ouais, tranquille, vas-y. Allez. Ah, j'attends le béni, j'arrive. Vas-y, t'attends l'hôpital. Ah ouais, donc du coup, ça veut dire pécho moi? T'as une meuf? Non, en fait, c'est un nom de code. Pourquoi en fait, t'as dit, y'a ma meuf qui m'appelle? Ouais, mais c'est un nom de code, Attends, je vais appeler la meuf en question. T'as dit, ça veut dire pécho moi, mais discrètement. Mais discret, ouais. Vas-y, je suis professionnel en séduction. Vas-y. Itch, il s'est inspiré de moi. Minos, j'ai deux questions. Tu fais des sports des yeux? Allô? Non, comment te dire que j'ai fail? Ça va? T'as des yeux qui creusent. Ça va et toi? Ouais, mais tranquille, non, on est là. Eh, j'ai bien lu ton dernier message. Ouais. 5 sur 5, je suis partant. Ok, bah vas-y, hein, avec plaisir. Hein. Ah ouais, tu veux que je te pêche en scred et tout, mais... Non. Bah si. Je suis en couple, hein, par contre. Non, mais après, c'est pas grave, en couple. T'es pas marié, wesh, c'est pas... Ah, t'es pas marié. Presque. Presque? Ça veut dire quoi, presque? Ouais. Bah, je suis fiancée, quoi. En vrai, mariage, c'est casse-couille ou... Enfin, reste en couple, hein. Ah, t'es fiancée? Ah, ouais, c'est pire fiancée. Ah, c'est la période de transition. Oh, laisse tomber. Oh, la galère. Mais en plus, il est en France, hein. Ah ouais, bah ça va, tranquille alors, j'ai le terrain libre. Non. Comment ça, non? Non mais j'ai bien compris le message. C'est rencontre amicale, plus, tout ça, petit clin d'œil, j'ai vu le petit clin d'œil. Non, amicale, c'est tout, point. Ok, et tu vas m'expliquer alors pourquoi t'as mis une émoticône aubergine, clin d'œil avec les petites gouttes d'eau là? C'est totalement faux. J'ai lu, je t'envoie des screens si tu veux. Ouais, si tu veux, vas-y, envoie des screens. Bah tu sais quoi, alors je vais regarder votre... Envoyez-moi un CV s'il vous plaît madame, je vais étudier la demande et si jamais c'est bon... Ah ouais, un CV carrément. Ah bah ouais, attends... Tout, t'as vu? Bah parce que là on parle de mercato, c'est-à-dire que là on passe de France aux États-Unis, donc il y a des normes à respecter, donc des mensurations à respecter. Carrément. Ah oui, il y a un comportement aussi à avoir, c'est normal. Ah ouais, carrément, bon, après, ouais. Bon, on en reparlera en tête-à-tête si tu veux plus tard, d'accord? Parce que tu dois être une femme occupée. Ouais, je suis vachement occupée, t'as vu? Ouais, mais moi aussi, tu sais ce que je là, fais dans la vie? Là, je fais patienter mes amis pour toi, t'as vu? Tu fais ah ouais? Ah oh ouais. Eh, tu m'as même pas demandé ce que je fais dans la vie, tout ça et tout. Vas-y, je viens de te dire, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis un mec mystérieux. Eh, regarde, c'est dans la poche. Roya, c'est dans la poche. Ikea, alors, elle a fait comme ça aussi ou pas? Elle était grave open, Roya. Elle était grave open. Hop là. Hop, hôpital. Vas-y, conclusion. pas conclusion, mais vas-y, débrief. Roya, écoute. Elle m'a dit, elle est en couple. Je dis, ok, je m'en fous. Je dis, t'es marié? Elle m'a dit, non, je suis fiancé. Elle m'a dit, mais elle a dit. C'est rien, ça. Écoute. Elle a dit, mais. J'ai rien demandé. Elle a dit, mais mon mec, il est en France. J'ai fait, ah. Ouverture. Ah là c'est l'enveloppé là c'est l'enveloppé. Ah ouais. Dans la lucarne, regarde. Là, Roya, là c'est l'enveloppé. Vas-y, descendez, je vais parler vite fait à Alvaro et j'attends que Minos tout ça et je suis là. Vas-y. Va te soigner, je suis là. Va te soigner, je vais parler avec quelqu'un.
Je pense que c'est un bizutage. Ça, je reconnais ça. Là, normalement, il va le mettre contre le mur, il va sortir la machette. Normalement, tout se passe bien. Non, ça c'est lui. Il y a le Weasel et tout, il y a le Weasel. Attends, je ferai le pub. Abonnez-vous à ma chaîne, évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne, NL sur YouTube. Ça fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir. Tout à l'heure. Salut Alvaro. Si. Ça va? Tu es là? Ben oui. On se fout là-bas? Ouais. C'est mieux comme ça. Ça va la forme? J'ai failli dire une dinguerie. Comment ça? Si, très bien. Ah, bah une... Comme on demande si ça va, il y a l'impression qu'ils étudient l'habitude de répondre à autre chose. Mais ah oui, alhamdoulilah, t'as dit alhamdoulilah. Ça, ça force traîner avec moi, ça. Ah ouais. Ferme ta gueule, c'est bon. Hop là. Après, tu m'emmènes dans le parking. On direct, tu vas me faire du sale. Ouais, ouais, mettez-vous en place, on descend. C'est Mano ici avec Pinky. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu as rencontré un mec, il est. Ouais. Je suis actuellement avec Alvaro. Vous le braquez quand je sors de du. Attends, mais t'es où? Non, je rigole. Okay. Attends, silence radio, regarde, je vais discuter. Vas-y, ça marche. Ouais, on vu comment ils étaient en train de marcher, tes hermanos, qu'ils étaient pas bien. Bonne chance pour me soulever comme ça. Non, parce que regarde, on a fait un truc dans un appartement, on a dégenouillé un appartement et tout, parce qu'il y avait du sur. Longue histoire. Alvaro! Mais. Si t'as des billets numérotés, t'arrives pas à écouler, etc. Comment ça? Des billets numérotés? Ça veut dire quoi ça? Je connais pas cette expression. Les billets numérotés, c'est-à-dire en fait c'est des billets qui sont pistés, tu sais, c'est des billets numérotés. Parce que tu connais pas en fait les billets numérotés, regarde. En fait chaque numéro, chaque billet en fait a un numéro spécial. Et quand, par exemple, imaginons que tu fasses une flica, ok? Les billets que tu vas attraper, regarde, ils sont numérotés. Huma, ils savent par exemple de tel numéro Huma, à tel numéro. Ça veut dire quoi ça, Huma? Huma, eux, ça veut dire eux. Oh, là, faut que je traduise. Mais ils parlent pas. Les billets numérotés, en fait, les flics savent. Ça veut dire que tu peux rien faire avec. Tu peux pas les déposer, tu peux rien faire, Roya. Moi, ouais. Je connais une petite combine. En bref, s'ils les déposent, ils vont griller parce que c'est les billets qui étaient dans la flica qui se retrouvent en compte. C'est nous. Oui, d'accord. Si, si, hermano, si. Voilà. Donc, si t'as des billets, voilà, tu me fais signe, Roya, et puis on peut s'arranger. Si, tu fais ça comment? Je veux dire, tu prends bien sûr une partie pour toi, parce qu'ils pensent pas que tu fais ça gratuitement, c'est normal. Ouais, je prends un petit 45%, c'est pas grand chose. Bah, c'est pas grand chose, wesh. Bah, tu sais le mec, avant moi, comment il les faisait? Bien sûr, je les aiguillais, regarde. Il y a 50% ici. Je les aiguillais, regarde. Tu me fais combien, tu m'as dit? Allez, contre les murs. Ah, je le fais à 45. T'es hyper, hein? T'es vraiment... Attends. Pourquoi un mec avec une barbe rose, la chevelure de Will Smith, d'accord? Les apparences sont trompeuses, regarde, les apparences. Et que comme ça, ah, vraiment, toi, tu fasses pas à quelqu'un, toi. Bah oui, mais justement, en fait, les gens ne se méfient pas de moi. Mais c'est quoi ce tatouage que tu t'es fait sur la joue? Ah, ça! Ça, c'est. Ouais, c'est une longue histoire, la vérité. Hein. Bah ça, oui, demande pas. C'est. Bah, c'est quand je t'ai planté, en fait. Ça, c'est une petite ligne que j'ai rajoutée sur mon CV. T'aimes bien? Ça le fait, non? Attends, bouge pas. Hein. Ouais, je bouge pas. Deux secondes, Lise. Quoi? Il va faire de la même. Ouais. Comme ça, on est quitte tous les deux et il pourrait me tatouer. Ah oui, non, eh, hey, t'as déjà un tatouage en plus, hein. Franchement, ça se fait pas. Il n'y en a pas qu'un seul. Tu vas pas. Ah, non, ça va, tranquille. C'est. Alors. C'est... Et concernant bah, écoute, Roya, les... Attends, chaque 60 ans, tu vas être pressé, hermano. Roya, j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça avec un mec bizarre. C'est vrai que t'as pas. Quoi? Ah oui, t'es un mec bizarre quand même. Comment ça, c'est un mec bizarre? Mais t'es un mec dangereux, ça veut dire que t'es un mec dangereux. Non, toi, t'es un mec bizarre, moi, je suis un mec dangereux, d'accord? Ok, moi, je suis un mec bizarrement dangereux. Toi, t'es un mec bizarre. Hein? Je suis un mec bizarrement dangereux, moi. Bizarrement dangereux. Toi, t'es un mec dangereux bizarre. Ouais, voilà, t'as tout compris. Moi, je suis dangereusement bizarre, t'as compris? Si ils te donnent par exemple de la plata et que tu peux t'en occuper toi-même, après combien de temps tu penses pouvoir me ramener ma récompense? Ça dépend. Mais quand même, ça met du temps. Il sait que c'est pas comme si. Ouais. 24 heures. Ok. Est-ce que tu penses qu'une fois, s'il te laisse de la plata plus longtemps que prévu, tu peux descendre un peu le taux? Ouais, ça dépend. Du genre, imagine, je te donne de la plata et tu me ramènes, je sais pas, 4-5 jours après, toi. Ouais, ça dépend du montant. Après, des grosses sommes. Je vais pas te faire travailler pour si peu. Ouais, minimum 100 000, voire plus. Oh ouais, ça vit. Mais tu crois quoi? Tu sais que tout à l'heure, il te voit les balas. Il a proposé un défi à 100 000 dollars. Wouah, 100 000! Bien sûr! Ah ouais, toi tu rigoles pas! Hein. Bien sûr, je suis pas youtubeur moi! Vas-y, ça marche! Bah ouais, on pourra s'arranger, ouais! D'accord! Bref, donc pour ça c'est ok, tu voulais me parler de quelque chose d'autre?
La Met. Mm-hmm. Royal Business de Met, je t'avais fait une petite commande là de 100... 100 pochons de Met. En fait, tu m'en avais parlé, tu m'as dit peut-être et tout. Non, là c'est sûr, là je rentre dans le business là, ça y est. Non, c'est sûr ou tu me dis ça comme ça bêtement? Ah, c'est sûr. Ah, mais tu crois que je vais te commander de la mettre comme ça bêtement? Ok, bah écoute, demain je te la ramène, d'accord? Vas-y, demain. Il est un peu tard maintenant, tu vois? Ouais, ouais, tranquille. Demain, tranquille, normalement je te ramène 100. Combien tu veux d'abord? Parce que 100, il peut te l'avoir facile. Ouais, après, 100, ça dépend. 100. 100 de mettre? Ok. Ouais, ouais, 100 de mettre. Tu dirais alors combien dans la soirée ou demain, tu dirais combien vas-y, tu l'apportes. Vas-y. Ok? Ça marche. Et aussi pour les armes, là. Pour le. C'était un Deagle que tu m'avais montré la dernière fois? C'est Desert Deagle. Tu le vends à combien, tu m'as dit? T'es le vendre 25 000, mais bon, je peux te faire un prix vu que toi aussi tu me rends service. Ouais, on le faire à combien? Tu le fais à 21 000. De 25 à 20, 20, on arrondit à 20. Allez, parce que c'est toi. Pas mon gars, sire, vas-y. En même temps, tu vas bien m'aider vu que tu vas me permettre de me débarrasser des billets. T'inquiète, ouais, ouais. Tu es prévu. Il parle vraiment pas très fort. Ouais, moi, ouais, tu crois qu'il va avoir ce genre de conversation comme ça tout fort à crier? Si, il est soulevé tout à l'heure au baril, tu sais. Tu viens, on soulève maintenant. Vas-y. Ah non, bah c'est bon, il est mort. Tu sais que tu vas pas de couronnes. Bah j'ai rien sur moi. Vraiment? Si, tiens. Ah ouais, non, ça garde du corps. Oh, laisse tomber. Pas de couronnes. Bien, porte tes couronnes. Monsieur le gouverneur? Oh, non, il est pas là. Il est pas là? Ah oh, merde. Bah, je sais pas, il était là il y a 30 secondes. Vous cherchez? Il se cache, à mon avis, il se cache. Et vous ne parlez pas par rapport à la commande de tout à l'heure, là, il s'est pas content. Vous êtes son garde du corps? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok, ça marche. Il vraiment c'est, peu, là. C'est quoi le problème? Ah, il est là, le gouverneur. À ton avis, c'est quoi? Bah, je sais pas, le pire, ce serait quoi? C'est qu'il manque des trucs. Ah, monsieur Hannes, allez bien. Ça va et toi? Allez, hop, personne ne bouge. Hop là, contre les murs, allez hop. Oula. Allez, monsieur le gouverneur, garde du corps, pas garde du corps, allez, on y va. Voilà, ça va ou quoi? Ça va. C'est pas un prank. Hop là. Ah ouais, mais merde. Ah, voilà. Donc tu vas, jette tes munitions, Roya, s'il te plaît. C'est quoi ton nom? Ouais, Jacob. Ah ouais, on s'est croisé au Belize, ça va? Ouais, je suis à notre chambre. Ouais, dépose tes armes, tout ça, il y aura pas de truc. Monsieur le gouverneur, vous avez une arme sur vous? Oui, toujours. Ok, vous pouvez juste jeter les munitions à vos pieds? Oui, bien sûr. Monsieur Hannes, c'est sûr que c'est pas un prank? Non, c'est pas un prank. Mais vous. On va juste faire un petit tour dans votre voiture, d'accord? Oui, il y a d'autres manières de le demander. Non, mais tranquille. Vous pouvez ouvrir la voiture, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur? Est-ce que vous êtes bien conscient que j'ai votre visage et. Ouais, je sais, je m'appelle Nasl Mardabi, t'inquiète. Jacob, tu peux aller courir là-bas, s'il te plaît, Khoya, un petit footing? Ouais, vas-y. Voilà. Bien, et on va où? Bon, vous roulez tout doucement, y a pas de soucis, on va juste discuter, d'accord? Elle est où votre maison? Ma maison? Ouais, vous habitez où? Elle est sur les hauteurs, pourquoi? Allez, bah c'est parti. Monsieur Hannes, pourquoi vous m'avez pas demandé si on pouvait faire un petit tour de voiture? Vous savez bien que je suis généreux, je voulais vous faire ce petit tour de bagnole. Ouais, non, en fait j'ai envie de discuter de ce qui se passe en ce moment en ville parce que je suis pas content. Ah mais pareil, y a des façons de faire. Ouais, radio? Comment? Ouais, je suis avec le gouverneur, je suis en train de lui braquer sa mère. Là on se dirige vers le nord de la ville, je vous enverrai la position. Vous vous rappelez que le rendez-vous qu'on a eu avec la photo compromettante, tout ça? Oui. À ce qui paraît, il y a quelqu'un qui a fait une contre-offre au Weezy News avec une photo encore plus choc. Bon? Ouais, vous êtes au courant? Pas du tout. Ah oui, d'accord. J'ai eu aucun retour de votre photo, votre fameuse photo. Ben c'est ça. Et on est d'accord que vous vous tapez des pites? Pas du tout. Non mais monsieur le gouverneur. Il y a quand même des photos qui tournent en ville. Tout le monde est au courant, mais personne n'envoie l'image de ces photos. Ouais, ben justement, c'est peut-être bizarre. Peut-être vous mettez peut-être des coups de pression aux gens pour qu'ils ferment leur bouche. Moi, mettre des coups de pression? Oui. Et de comment je m'y prendrais? Un grand coup de billet? Je sais pas, vous avez une arme, vous avez des gardes du corps, vous avez... monsieur, on n'est pas dans un film. Tu penses qu'il utilise un peu sa puissance pour faire taire les gens, c'est ça? Ben je pense, c'est sûr. N'importe quoi. Garde du corps et Alba. C'est très bizarre cette relation que vous entretenez avec Alba. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah, elle m'a beaucoup aidé pendant ma campagne. Ah, bah c'est sûr qu'elle vous a beaucoup aidé. Ça fait beaucoup de plaisir à ce qu'il y en a. Ah, ouais. Elle est très souple apparemment. Souple? Ah, bah elle passe de policière apparemment à secrétaire. Oui. Les gens normalement ils glow up. Elle est en train de couler, elle. Glow down, elle. C'est bizarre, il y a beaucoup de femmes autour de vous, monsieur le procureur, monsieur le gouverneur. Hein. Beaucoup trop de femmes. Sanders, dites-moi à qui, allez-y. Non, mais elle, c'est pas une femme déjà, de base. Et moi, j'avais entendu qu'il y avait une autre chica justement qui était chez vous, qui est partie. Une autre chica qui était chez chez vous. Elle garde du corps, oui. Ah oui, vous parlez de. Cassidy, la demoiselle. C'est possible, elle connaît pas son nom. Ouais, sûrement, oui, on avait fait une séance de stage avec. Pourquoi elle est partie?
parce que vous avez mis la main sous la jupe et elle est pas contente. Hein. Ah pas bon du tout. Mais vous vous méprenez, c'était un stage d'un mois. Ah, gré... ah ouais, Sissoko Menes. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, je t'envoie la pause. Vas-y, moi j'arrive, j'arrive. Vous méprenez, monsieur. T'es ici en stage. En tout cas, très belle demeure. Hein. Ah bah merci. Ah ouais, ouais, on est chier pour me l'offrir celle-là, je vous le dis. Hein. Combien? C'est indécent, je peux pas vous le dire. Vous avez détourné combien? Détourné, monsieur, c'est de la diffamation, ce que vous dites. Non mais vous savez que je, à chaque fois que je croise, à chaque, tous les jours des SDF. Hier encore, tonton, Juanito Juanez, SDF le pauvre. Juanito Juanez, aucune aide. Fumier de lapin, il m'a coupé un téton dans une épicerie un jour, oui monsieur. Ah bon? Il vous a quoi? Oui, 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 il m'a coupé un téton. Ah. Heureusement, j'ai réussi à rattraper le téton, il était tombé sous les étagères des femmes. Ah oui, ça j'étais pas au courant ça. Mais pourquoi vous avez coupé un téton? Je sais pas, il était pris de démence pour un pack de 8-6. Ah ouais. Tout bien pour NS, vous êtes. Nous sommes à l'intérieur de la maison. T'es qui toi? RAS, RAS. Là, il est avec moi, c'est le HA, c'est le HA. Lui, c'est le TO, c'est le TO. Vas-y, les gars, posez quelques questions, j'arrive. Posez quelques questions au gouverneur. Vas-y, vas-y. Espédi, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bien, vous. Ouais, ça va. Eh, juste comme ça. Genre. Imaginons qu'on soit vraiment dans une supposition, d'accord? Que je prenne en otage le gouverneur. Oui. Ça coûte combien à peu près? Ah là, ça va très loin là. Ah ouais? Ouais, là, ça va aller en procès. Non, mais en termes de rançon, je parle d'argent moi. Pourquoi vous avez en otage le gouverneur là? Non, j'ai dit imaginons que quelqu'un prenne le gouverneur en otage. Il pourrait gagner combien à peu près? Qui ça, la personne qui prend en otage le gouverneur? Ouais, t'es lente. Ouais. Mais. À peu près. Je sais pas moi. Attendez, 07, s'il y a une personne qui prend en otage le gouverneur, il peut demander combien? Enfin, en rançon, il peut gagner combien? Il y a pas de rançon mini. Quoi? T'as dit quoi? Hein? Je vais appeler le capitaine, t'inquiète, te casse pas la tête. Non, vous êtes. Quel est votre nom, monsieur, au téléphone là? Moi, c'est Prince. Prince de Jazairi. Prince, ok, très bien, merci, c'est gentil. Bah, je vous en prie, avec le prendre des plaisirs. Au revoir. Au revoir. Ouais. Tu peux me rendre mon arme? Mais non, c'est bon, il va rien faire. Mais j'ai pas d'arme, moi. Si, je t'ai donné mon pistolet. Non, mais je veux dire, sinon, moi j'en ai pas, je te la rends après. Ah, mais t'en as pas besoin, maintenant il lève les mains, il a plus d'arme, il a rien, c'est ça. Mais tu as même. Il va rien faire. Tu sais que je l'ai braqué avec zéro balle. Mais c'est bon, tu as raison. Bravo. Alors, j'ai des cojones ou pas? En fait, la vérité. Ah, voilà, tu vois. Je vais juste te dire un truc. Moi, pourquoi il dit ça? Parce que moi, il pensait que tu savais que c'était un endroit très fréquenté. Un endroit, tu vois, zone de risque à ne pas prendre de risque. Tu vois ce que je veux dire? Comme le parc de police, toi. Ça va. Ah, ben, c'est cool, c'est toi le boss. Ça va. De toute façon, c'est bien à t'appartient. Dièse, 31 dièse. Non, c'est bon, les gars, il est réglo. C'est bien le gouverneur. En fait, on pensait que vous étiez un fake. C'est pour ça. Là, on a bien vu que c'était bien vous, parce qu'en fait, il y a un mec... Je lui envoie la photo. Deux. La photo. La photo de quoi? Ah, la photo lui. D'Ebzez, ok. Ouais. Vous pouvez enlever vos masques, les gars, c'est bon. C'était un prank, monsieur le gouverneur. En fait, il y avait un mec qui vous ressemblait de ouf et qui se tapait des putes. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était vous ou pas. Regarde, Soko, regarde. Allez, hop. Tu sais que t'es dans le collimateur, monsieur Soko? T'es mort. Avec la mort. Avec le Swissweed. Avec la mort. Non, t'as bien son gars. Tambiasson, voilà. Il faut pas le menacer. Tambias, enlève ton masque, Ton masque. Ah bon, pourquoi? Ouais, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Ah, c'est ça, c'est Tambias, c'est pour ça. Ah, oui, ça y est. Il a ton prénom. Une sacrée soirée que vous venez de me rappeler, monsieur. Alors, voilà. Vous avez vu la photo? Incroyable. Ouais. Oui, je m'en rappelle, c'était à la journée d'ouverture de l'unicorne, comme je vous l'avais déjà dit. Il n'y a pas que l'unicorne qui s'est fait ouvrir à ce qui paraît cette soirée là. Putain, je l'ai pas reconnu. Ah, monsieur Raven. Ben oui, c'est monsieur Raven. Vous étiez bien caché. Ouais, mais du coup, comme je vous dis, gouverneur, étant un investisseur auprès de l'unicorne, c'est normal que je sois là-bas, bien sûr. Gouverneur, oui. Ce qu'on vous a fait ici, c'est une leçon pour vous et pour votre sécurité. Vous avez vu à quel point moi, en simple youtubeur, j'ai réussi à maîtriser votre garde du corps. Il faut changer. Voilà. Il faut améliorer votre sécurité. C'est ça le message, en fait. C'est ça le message de ce soir, Sissoko. Faites attention aux gens qui vous entourent. Vous avez vu cette photo-là? C'est-à-dire que la personne était vraiment proche de vous. Elle vous a quand même poucave. Il faut être méfiant. Faut pas ouvrir sa porte à n'importe qui. Vous avez l'air de croire que cette photo me porte préjudice, mais pas du tout. Hein. Non, mais en fait, ça vous porte pas préjudice. C'est juste ça nique votre image, c'est tout. C'est juste ça. Exactement. L'image, vous savez, comme je me tue à le dire, c'est auprès des citoyens tous les jours que je la construis. C'est pas une image d'un homme dans un club pour adultes qui va à la terminer. Mais tu sais, Soko, les gens, ils s'en battent les couilles de ton charabia. Ils vont voir la photo, ils vont juger direct. Voilà, il y a rien de plus parlant qu'une photo ou qu'une vidéo. Et je serai prêt à répondre.
Ouais, bah après, les... tu sais, ils vont pas écouter ta réponse, ils vont juste voter contre toi, c'est tout ce qu'ils vont faire. Ouais, mais pour toi, vaudrait-il que je me représente? Sinon, ça va, Sissoko? T'avais prévu quoi pour ce soir, en fait? Hein, bah, déjà, chier dans mon froc, c'est fait. Non, mais ça va, ça c'est pour améliorer la sécurité. C'est tu peux... chique, hey, tu peux nous prendre en tant que garde du corps, on va tous les soulever ici. Hein. Bah, écoutez, je sais que Monsieur Raven et Monsieur Well ont des casiers judiciaires, ça va être difficile. Oh, vous, ça serait à vérifier. Non, c'est pas vraiment des casiers à ce niveau-là, c'est un gymnase complet hein, qu'il faut. Casier. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai que je suis en réinsertion, Monsieur Sissoko. Oui. Ouais. C'est tranquille. Ouais, je sais pas, je suis plus trop les affaires criminelles ouais, et bah, les suites. Je vous l'ai dit. Tobias, t'as froid ou t'as sorti le Canada Goose là? Ah oui, oui, c'est vrai. Astaghfirullah. Oh, monsieur Secours, on est désolé pour le dérangement, on va vous laisser tranquille. Oui, nous, hein. À toutes les fois, comme je dis, il faut essayer de me contacter, hein, plus simplement. Oui, non, mais il fallait que je vous montre en fait que votre sécurité n'était pas au point et qu'il fallait vous méfier de votre entrevoir. Ah oui, c'est vrai. C'est quelque chose de primordial. Ah, on n'a pas le droit de dire, c'est vrai. Ça, c'est certain. Bon, on va vous laisser tranquille. Très bien, madame. Ah, merci. Canapé Ikea et tout, convertible, ça j'aime bien. Ah, c'est des menaces, Alvaro? Non. C'est un poltron échauffage, celui-là, monsieur. Tu veux? Bah, allez, Alvaro, on y va? On se casse? Je lui parle comme si c'était ton. Allez, venez, on se casse. Finalement, elle était pas si mal que ça cette soirée. Vas-y, moi, Alvaro. Tu veux qu'on dépose où? Venez encore. Et ils vivent leur vie au Bénin, c'est comment c'est pour toi? On dépose où, Alvaro, Enes? Passe au Bénin. Au Bénin, je crois. Tu es pressé de te débarrasser de moi? Ah non, non, pourquoi? Je voulais faire une super aide, Chine, pas du coup, non, dépose-moi au Bénis, ah, d'accord. Du coup, Alvaro, tu, pour l'arme, tu pourras me la vendre demain? Ouais, demain tu l'auras le Deagle. Vas-y, vas-y. Et me débrouiller pour que tu t'arrêtes la mettre. Vas-y, vas-y, ça marche. Ok. Ah bon, faire la mettre. Je dois récupérer mon sac aussi après. Ah oui, le banquier, il m'a dit de te la vendre. Ouais, ouais, il va le vendre, ouais. Ouais, je t'ai mis. C'est un sac, Haja le top. Ah non, j'ai vu tout, ça me perturbe la vérité. De quoi? Y'a un mec, c'est un biker, il me perturbe, vraiment. Ah, il a la même voix que moi, tu m'as dit. Ouais, ouais. Mais j'ai du mal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ouais, ouais. Moi, j'ai écouté, mais moi, j'ai écouté, je trouve pas. Ah ouais? Justement, tout en temps de l'ayur. Ok, bah, je crois que je vais le ban, hein. Pourquoi t'es dans la vie comme ça? Hein? Pourquoi tu vas-y, Alvaro, on se capte, tiens. Salut. Merci, Alvaro. La fin doit la mâche ma doigt. Mâche ma doigt.